je me suis dit, il faut prendre garde de ne pas manquer le train. Je fais mon petit ménage, j'appareille les enfants. Je prends tout mon bagage, au dépôt je me rends. Je prends tout mon bagage, au dépôt je me rends. Je prends tout mon bagage, au dépôt je me rends. Au dépôt je suis rendu, mon bagage embarqué. J'achète mon ticket pour m'en débarrasser. Voilà trois coups qui sonnent et le train qui s'en va. Sans rien dire à personne, l'engin traînait tout ça. Sans rien dire à personne, l'engin traînait tout ça. Sans rien dire à personne, l'engin traînait tout ça. À la nouvelle surprise, j'oublie mon tabac. Je cherche le conducteur pour y raconter ça. Je dis au conducteur, arrêtez donc le train. Que je cours, que j'achète du tabac canadien. Que je cours, que j'achète du tabac canadien. Que je cours, que j'achète du tabac canadien. Le conducteur me dit, je ne peux arrêter. J'irai un peu moins vite, ton chien nous rattraper. Voilà que je me lance, je me jette en bas du train. Et j'attrape par chance un paquet sous ma main. Et j'attrape par chance un paquet sous ma main. Et j'attrape par chance un paquet sous ma main. Je trouvais ça bien drôle, ce paquet sous ma main. Je croyais que c'était un rôle de tabac canadien. Voilà que je le développe pour voir la vérité. C'était de la marguerite que j'avais ramassée. C'était de la marguerite que j'avais ramassée. C'était de la marguerite que j'avais ramassée. On vient d'entendre Louis Racine et les Pourquoi pas qui nous ont chanté « Partant de Montréal ». Mais salut la gang, on se revoit tantôt. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission « Un pont vers demain ». On vous accueille ici directement du Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury. Ça ici, bien, c'est le grand carrefour culturel de la pointe de l'Est de l'Ontario. « Un pont vers demain », c'est une émission coup de cœur où ce qu'on échange justement des traditions. Pourquoi? Mais pour devenir une communauté francophone encore plus accueillante. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir trois invités bien spéciaux de la région de Hawkesbury. On accueille chaleureusement Nadine Biloa. Nadine est arrivée voilà 2 ans du Cameroun en Afrique centrale. Bienvenue, Nadine. Gambolo. Bonjour à Lino Gambuto de Chute-à-Blondeau, un fier franco-ontarien dont le père est immigré de l'Italie. Buongiorno, Lino. Buongiorno. Et bienvenue à Tony Tsourounakis, qui a grandi ici, mais dont les parents viennent de l'île de Crète, en Grèce. Yassas, Tony. Yassas. Nadine, tu es arrivée ici, dans la région d'Oxbury, au Canada, il y a 2 ans. Qu'est-ce qui t'a amenée ici, au pays? C'est l'amour qui m'a amenée au pays. Oh, l'amour n'a pas de frontières, hein? C'est ça? Oui. Puis qu'est-ce que tu aimes du Canada, jusqu'à date? Bon, jusqu'à date, ici, on respecte le monde quand même. On respecte tout le monde, malgré la couleur de la peau. Donc... Et la ville, elle est calme. Mm-hmm. La ville où je suis, là, elle est calme. Il n'y a pas de bruit. Tout est calme. Oui. Oui. Belle petite ville, communauté paisible. C'est important. Ah, oui, oui. Ah, bien content de t'avoir parmi nous. Merci. Merci. Lino, hey, toi et moi, on est cousins dans la vie. Hein? Oui, oui, absolument. D'ailleurs, du côté des Saint-Denis, du côté de ta mère et de mon père, bien, ça fait 9 générations qu'on demeure ici, là, dans la région d'Hawkesbury. Chute-à-Blondeau, en fait, c'est notre grand village. Oui. Mais ton père, lui, est arrivé de l'Italie en 1962. Qu'est-ce qui a amené Gino, ton père, à habiter ici au pays? Oui, justement. Arrivé en 1962, vous savez, c'était après la guerre en Europe. Donc, l'Europe était ouverte.
qui disait donc à un moment donné, partie de sa petite place du petit village de l'Italie, est allé travailler à Paris. Et puis à un moment donné, il est à Paris avec des amis, et puis il entendait beaucoup là-bas, là, ça faisait la propagande. Ah, venez en Amérique, venez en Amérique, ainsi de suite. Donc, avec des amis, ils ont décidé de venir en Amérique. Il est arrivé au Canada, à Montréal. Et puis, c'est ça. Il est arrivé à Montréal, c'était établi à Montréal. C'est de là qu'il a rencontré ma mère, qui était coiffeuse à Montréal, qui venait du petit village ici à Château-Blondeau. Ah ben, fait que tu vois, l'amour, Nadine, ça fait... c'est sans frontières. Ah c'est ouais. Bon. Et voilà, c'est ça. Et puis, mon père a aimé la petite place, le petit village, justement, là, qui représentait un petit peu plus par où, d'où il venait en Italie. Mm-hmm. Et puis, avec les rivières, les montagnes. Donc, ils ont décidé de s'établir ici à Château-Blondeau, voilà. Super, excellent. Petite histoire courte. Oui. Tony, ben toi, tu es né ici. En fait, tu es né à Montréal, puis à l'âge de 8 ans, tu es déménagé ici. Mais tes parents, ils viennent de l'île de Crète, en Grèce, hein? Mon père vient de l'île de Crète, oui, exactement. Lui, son histoire, il voulait immigrer à l'États-Unis, mais dans ce temps-là, dans les années 60, les États-Unis s'étaient fermés pour l'immigration. Okay. Là, il a proposé à mon père trois choix. Tu peux aller en Afrique du Sud, tu peux aller en Australie, ou au Canada. Puis mon père, il pense, il dit, OK, l'Australie, c'est loin, c'est loin de tout. L'Afrique du Sud aussi, là, on ne connaît pas grand monde là. Mais le Canada, c'est juste à côté des États-Unis. Mm. Ça se peut que si je vais au Canada, finalement, je peux rendu à l'États-Unis quand même. Ça, il dit, c'est là que je vais, là. Puis il connaît du monde qui était déjà à Montréal. Donc, finalement, il était rendu à Montréal, puis a fait le networking avec le monde qu'il a déjà connaît. Bonjour, je suis Mathis Patenaud de l'École secondaire catholique régionale de Hawkesbury et j'aimerais que vous me parliez d'une tradition jeunesse ou pour les enfants. On va débuter avec toi, Nadine. Bon, comme on le dit souvent, les cultures diffèrent. Peut-être ce qu'on appelle tradition pour enfants ici, peut-être ce n'est pas sa tradition pour enfants au Cameroun. Mais je sais, quand j'étais petite, on nous racontait souvent les histoires avant de dormir. Parfois, on faisait un jeu d'enfant, c'est-à-dire on peut prendre un noyau de quelque chose, donc... Je vais passer tout autour pour passer ce noyau entre les mains d'une personne. Mm-hmm. Mais il va falloir que, quand je vais le faire, une personne qui est là-bas doit trouver à qui j'ai remis ce noyau. Okay. Donc, comme nous sommes assis là, je viens, je fais comme si je te donne à toi. Vous avez les mains comme ça. Mm-hmm. Je fais semblant de mettre, je fais semblant. Oh, peut-être je l'ai laissé au début là-bas ou je vais le laisser là-bas. Mm-hmm. Maintenant, une personne sera désignée qui va se lever pour tourner et dit ça sent quelque part, ça sent ici. Si ce n'est pas là, on dit, oh, tu as raté. Ah, donc, c'est un peu ça. Donc, il y avait beaucoup de choses. Parfois, on peut parler du réveillon, oui, des jeux d'enfants. Comme on avait un autre jeu qu'on appelait le pousse-pion, on trace au sol, on joue avec le noyau de la mangue, on trace 4-5 carreaux, vous jouez, et la personne qui gagne. Donc, beaucoup de choses. C'est un beau jeu de groupe. Ah, bien, c'est super. Oui, donc, beaucoup de choses. Ah, ben, merci. Ah. Lino, tradition italienne pour enfants, pour les jeunes? Tradition italienne pour enfants, c'est similaire à ici. C'est similaire dans les cultures. Donc, que ce soit Noël, l'Halloween, jour de l'an, Pâques, la chasse aux œufs, etc. C'est similaire, la même chose en Italie. Oui, aussi, lors du dodo, on va border les enfants, on compte des petites histoires, des petites choses comme ça. Puis naturellement, bien, il y a les jeux d'enfants, peut-être de chaque petit village là-bas qui peut être différent. J'aimais jouer un petit jeu qui s'appelait Curlo, qui c'était une petite toupie en bois, puis il fallait lancer, puis la faire tourner, puis essayer de faire déguerpir les autres pour rester le seul. Alors ça, c'est des petites choses sur les d'enfants intéressantes, là. Ah, traditionnelles de là-bas. Aujourd'hui, le Curlo est comme tradition, mais les enfants, c'est comme aujourd'hui, hein, ça joue à l'ordinateur. Exactement, super. Tony, des traditions grecques pour enfants ou pour les jeunes? Oui, pour enfants, bien, quelque chose que je me rappelle bien, toujours le jour de l'an, le 1er janvier, on a ramassé dans la cuisine, puis ma mère a fait un gâteau. Mais dans le gâteau, elle met une pièce dedans quand elle fait le gâteau. Après ça, elle coupe ça, puis on fait des morceaux. On fait, sept morceaux, c'est pour le Dieu. Sept morceaux, c'est pour la maison. Sept morceaux, c'est pour papa. Sept morceaux, maman. Puis après ça, c'est un après l'autre, mais le prochain morceau, c'était pour moi, Tony. Puis on coupe tout ça pour mes soeurs, pour toute la famille. Après ça, on mange notre morceau de gâteau, puis si tu as la pièce dedans, c'est toi qui gagne,
puis tu vas avoir du bonne fortune pour toute l'année. OK. Ah, oh, ben cool. Puis moi, juste comme ça, j'ai gagné probablement 80 % de le temps. Ah, oh, ben c'est ça. Fait que c'est bon. Fait qu'il est un bon ami à avoir, là, parce qu'à chaque fois, on a de la chance. C'est ça. Super. Bien, merci beaucoup à vous trois pour ces belles traditions. On va maintenant passer à une prochaine question. Bonjour, mon nom c'est Gabrielle Sommer. Je viens de l'école Saint-Jean-Baptiste à L'Orignal, direct à côté d'Oxbury. Et j'aimerais savoir, c'est quoi vos traditions anciennes? Une tradition ancienne, oui. Alors, les mariages, ça dure longtemps, puis on bouffe, je vous le garantis. Les mariages italiens. Les mariages italiens. Alors, le soir avant le mariage, naturellement, l'homme doit aller chanter la sérénade au balcon de sa future femme. Oh. S'il n'y a pas de balcon, ben, c'est à la porte, peu importe. À la maison, d'accord, il doit chanter. Et on me pose la question, ouais, mais s'il ne chante pas bien, ben c'est pas grave, t'essayes de chanter tout simplement. Ensuite, le lendemain, naturellement, au mariage, on commence à manger, parce que le matin, c'est la cérémonie religieuse, etc. On commence à manger vers 1 heure, et puis c'est 12 à 15 services. Donc, il est rendu 8 heures le soir, puis on bouffe encore. Et puis, mais c'est très bon, c'est très bon. Alors, puis, naturellement, bien, l'autre tradition, c'est de passer, si vous voulez, l'art culinaire là, de père ou de mère en fils, en fille, mm-hmm. De chaque génération. Ouais. Alors, naturellement, oui, ça, c'est très important pour nous. D'ailleurs, les mon père Gino, qui est mon oncle, on sait qu'il est un cuisinier hors pair qui est reconnu à travers le pays. Tradition de la bouffe, c'est clair, c'est important. Oui, oui, c'est ça. Donc, on suit ça. Et puis, mes enfants aussi ont l'air à bien vouloir suivre ça. Alors, chacun met son petit grain de sel, mm-hmm. si vous voulez, c'est correct, hein, pour améliorer. Pas améliorer, mais à chacun son goût. Mm-hmm. Mais bon, oui, alors... C'est important, nous, la bouffe. Ah oui. C'est comme c'est ça. Bon. C'est... Mangiare. Hey, Tony, tradition grecque ancienne. J'étais toujours fasciné par une tradition, ça s'appelle xenia en grec. Puis c'est la hospitalité. Puis ça, c'est ancien. Ça vient de l'étendre avec les dieux. Puis c'était la loi que si quelqu'un passe un étranger, il faut... pas se poser, mais il faut que tu le prends dans ta maison, puis tu partages le manger, puis tu protèges aussi. C'est comme, c'est, quand il rentre dans ton maison, c'est comme une membre de ta famille. Puis ça existe encore en Grèce. Si tu vas en Athènes, centre-ville, non, probablement pas, mm-hmm. mais si tu vas dans les villages, puis tu es perdu ou quelque chose de même, si quelqu'un te trouve, il va te inviter dans la maison, puis il va partager, même s'il y a juste la bouffe pour 3 personnes, mm-hmm. il va partager ça en 4, puis t'es invité avec eux autres. C'est vraiment quelque chose. Ah ben, wow. Fantastique. Merci. Merci. Nadine, au Cameroun, une tradition ancienne qui est spéciale pour toi? Tellement qu'il y a beaucoup de langues, donc chaque tribu a sa tradition. Mais la tradition ancienne, c'est la dot, le mariage. La dot par le mariage? La dot, oui, quand il faut doter une femme. Il y a des traditions à faire. Il y a ce qu'on appelle l'avion. C'est-à-dire, lorsqu'il faut ramener la femme à l'homme, mm-hmm. Les sœurs de la mariée vont prendre une grande couverture. Elles vont entrer toutes à l'intérieur. Et elles vont marcher sous la couverture. Et l'homme, dans cette couverture, mm-hmm. devra toucher la tête de sa femme pour savoir que c'est sa femme. Laquelle, c'est parce que oui, donc, quand tu touches, il faudrait vraiment que ça tombe, que c'est ta femme. Parce que si ce n'est pas ta femme, tu as un montant à payer. Et ça, c'est les belles sœurs qui font ça à leur beau-frère. Donc, c'est un peu quelque chose comme c'est ça. C'est bon. Ouais. Wow. Et toi, Tina, tu verrais-tu ça, là, aller sur la couverture? Je sais pas. Mais la dot, c'est quoi? Est-ce que c'est comme matériel ou est-ce que c'est oui, la dot, c'est quand on parle de la dot, c'est du matériel. Ça veut dire il y a d'abord un montant. Oui. Oui, et on peut demander dans la dot, on peut demander du vin, les bières, le porc, la chèvre. La belle-mère peut demander les tissus pagne, les tantes peuvent demander les grandes casseroles. Donc, quand on parle de la dot, chaque membre de la famille demande ce qu'il veut. Donc, on reste une liste. Et l'époux doit donner cette liste-là, plus un montant dans une enveloppe, avec une bouteille, le rhum, je crois que j'appelle ça rhum de plantation, que c'est la dame qui va prendre. Donc, si elle veut le mariage, elle va prendre la bouteille pour donner dans sa famille. Si elle ne veut pas l'homme, elle va remettre à son mari. Donc, c'est une tradition, mais elle n'est pas obligée, mais c'est une coutume. Bon.
C'est intéressant, ça. On rentre nos listes. Mais si jamais on est super exigeant, c'est bien. Mais merci encore à vous trois pour ces belles traditions. J'en ai tellement appris, je veux en savoir plus. Donc, ouais, on a faim aussi, là. Oui, on a faim, j'ai toujours faim. Alors, on va passer maintenant à la prochaine question. Bonjour tout le monde, je suis Philippe Viaud de l'école ECRH à Hawkesbury. J'aimerais ça savoir une tradition coup de cœur. Oui, la tradition qui m'a marqué quand j'étais plus petite, c'est la pêche au barrage avec la grande sœur de mon papa parce que j'ai grandi avec elle. Donc, c'est une pêche des femmes en groupe qui se réunissent pour aller pêcher, sortent le matin à 5-6 heures pour aller à la pêche. Donc, on parle de pêche au barrage, ils arrivent dans un cours d'eau parce qu'à partir de août, octobre, novembre, décembre, les rivières tarissent et elles localisent des endroits où elles vont barrer. Elles peuvent couper même la rivière en deux. Elles mettent les poteaux et ensuite elles font la barrière avec de la boue. Ensuite, elles puisent de l'eau avec les cuvettes. Il faut vider. Ensuite, tu vois comment les poissons sautent. Et ça faisait quand on pêchait toute la journée, quand je rentre le soir, je reste comme ça. Quand je ferme les yeux, je revois un peu de l'eau, comme si j'étais dans l'eau. Je revois les poissons. Et aujourd'hui, j'avoue que cela, ça me manque. Parce que de nos jours, aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que beaucoup sont partis du village pour la ville, ne connaissent plus cette tradition. Moi, c'est quelque chose, si je pouvais le faire encore, je le ferais. Oui. Est-ce que vous attrapiez beaucoup de poissons? On attrapait beaucoup de poissons. Le poisson qu'on appelle ici poisson chat, je crois. Mm-hmm. Oui, c'est ça qu'on attrapait beaucoup de poissons, vraiment. Et c'est une pêche de saison. C'est spécial, c'était un groupe de femmes ensemble. Elles peuvent aussi, être plus 5 ou 10, parce que quand elles pêchent comme ça, elles peuvent prendre des grandes bassines. Ensuite, elles se font le partage à bord de la rivière. Elles partagent et chacune d'elles rentre avec son poisson. Et les crevettes, tout ça. Wow. Oui, donc c'est comme aussi une tradition, parce que ce n'est pas toutes les tribus qui le font, mais là où moi j'ai vécu, les Béti, c'est la pêche au barrage, c'est pour les femmes, et la pêche à la ligne, c'est plaisant. Ah, c'est bon. Ah, ouais. Super, merci. Wow. Lino puis Tony, vous, évidemment, vous avez adopté une tradition d'une autre culture, c'est les arts martiaux asiatiques. Vous pouvez nous parler de ça, je sais que c'est votre gros coup de cœur, c'est clair. Fait que... oh, c'est un peu notre gros coup de cœur. Sensei, tu veux débuter? Oui, je peux parler de ça. Ça fait un peu une cercle, parce que ça commence avec mon grand-père en Grèce. On se prépare notre manger, puis on pile des patates, je pile de même, là, tchou, 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 tchou. Puis mon grand-père, il check, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Je pile les patates. Il dit, non, check. Puis il pile les patates, puis il prend son temps, puis il fait ça, ta-ta-ta-ta-ta. Puis finalement, il a fait ça tout dans une manière. Puis tout le pile était sorti, aucune patate sur le pile. Moi, la moitié de la patate, c'était à terre. Puis il me dit, toutes les choses, il y a une technique. Puis j'ai trouvé la même philosophie dans les arts martiaux qui viennent du Japon. Parce que eux autres aussi, c'est vraiment, vraiment technique. Puis tu peux maximiser ton force. Ça, c'est vraiment quelque chose. Tu peux faire une... là, voilà ton thé. Ouais. Ou tu peux le faire comme une cérémonie. Ça, c'est une grande différence. Les Japonais, ils prennent c'est ça. C'est une approche culturelle, hein, c'est ça. Si tu prends ça et tu l'impliques dans ta vie, tu vas avoir l'excellence. C'est vraiment quelque chose de cette culture-là que j'ai appris puis j'essaie de faire moi-même. Parce que c'est ça, les arts martiaux, il y a une philosophie de vie, justement. Puis toi, ben, Lino, c'est ce que tu transmets ici à Hawkesbury. Absolument. Moi, ça a commencé... Sensei, tu te souviens, quand on était petit... c'était Bruce Lee, hein? Les petits gars, on voulait devenir des Bruce Lee. Alors moi aussi, je voulais devenir Bruce Lee, puis je voulais faire du Kung Fu. Kung Fu, c'était le meilleur art martial. Je connaissais zéro, mais pour moi, Bruce Lee, voilà. Pas plus compliqué que ça. Et à un moment donné, c'est le karaté qui s'est présenté à moi dans la région. J'ai débuté le karaté, et puis par après, je voulais plus. Donc, je suis allé vers Montréal pour maintenant devenir international, parce que naturellement, on est affilié au Japon, on est certifié du Japon, et on doit aller prendre nos cours au Japon pour pouvoir progresser. Mais naturellement, oui, c'est sûr. Et là, je pourrais en parler longtemps. Là. oui, c'est un art qui nous attire, que ce soit pour l'aspect physique, l'aspect philosophique, la terminologie, apprendre tout cet art-là. C'est pas juste de donner un coup de poing. Comment il s'appelle, le coup de poing?
Mm-hmm. Comment le placer correctement et que ça soit la partie combat, parce que le monde, il dit, vous faites des combats. Oui, mais on fait des combats loyaux. Il n'y a aucune amertume. On aime vouloir faire le combat, mais c'est de faire un combat sans être blessé. C'est ça. Okay. C'est de savoir comment se battre, mais comment pas juste faire le combat, comment manier les armes et autres techniques de ce genre. Donc, il y a énormément à apprendre. La terminologie, il faut les apprendre. La philosophie, l'histoire d'où ça vient et pourquoi. Non, c'est très, très intéressant. Puis plus que tu commences, plus que tu veux en savoir, puis plus tu n'en sais pas que tu veux en savoir plus. Ça finit jamais. Ça finit pas. Oui. Voilà. Ah oui, puis c'est vraiment une longue tradition millénaire, c'est clair. Un gros merci, Tony. Merci, Lino, pour cet échange-là de tradition. C'est comme ça qu'on peut grandir à Hawkesbury, qu'on peut bâtir des ponts entre les cultures comme communauté francophone. Puis place maintenant, bien, à notre tradition artistique. Louis Racine et les Pourquoi pas, ton groupe familial, justement. Bien, bonjour, Louis, bienvenue. Ben, bonjour, bonjour, Félix. Hey, Louis, toi, c'est incroyable. Tu connais 200 chansons à répondre par cœur. C'est une tradition vraiment importante dans ta famille, chez les Racines. Peux-tu nous parler de ça? Ça vient d'où, ça? En réalité, ça vient sur le côté de ma mère. Parce que mon grand-père, Mathias Charette, il avait au-dessus de 400 chansons. Lui, il les avait toutes. Moi, je ne les ai pas finies de les apprendre. J'ai encore un peu de temps pour les apprendre. Puis mes oncles chantaient aux fêtes, puis tout. Puis je trouvais que c'était important pour moi d'apprendre ça. Tu sais, on aime ça, à garder des bibelots, puis des photos, des grands-parents. Mais moi, j'ai tout été chercher, tout le patrimoine des chansons à répondre. Et je suis bien fier d'avoir fait ça parce que je suis un des seuls dans la famille qui a pris le temps de le faire. Plusieurs fois à la veille du jour de l'an, j'ai eu la chance d'aller chez vous avec la famille Racine puis de participer à des veillées du jour de l'an, parce que la tradition orale, les sept carrés, tout ça. Explique-nous, c'est quoi une veillée du jour de l'an? Comment on fait ça chez vous? Les jours de l'an, c'est qu'on part le violon, on part la musique, le piano, l'accordéon, puis après ça, le monde, il ne peut pas rester assis. Ça fait qu'on se lève debout, puis un caller, ben c'est celui qui dit au monde qu'est-ce que c'est faire. Ça fait que 2 minutes que je me mets à caller des danses, domino, puis saluer Saint-Bas, saluer l'autre. Puis ça rassemble le monde. C'est une danse pour rassembler le monde, surtout. C'est vraiment, c'est nos danses à nous autres, les Canadiens français. Absolument, on a vu ça, des danses sociales. Moi, j'ai grandi, j'ai vu ça, la soirée canadienne, à la télévision, tout ça. Oui, puis avec l'écho d'un peuple, je me suis rendu compte que c'est essoufflant, rien qu'en masse. Oui. Je regarde rapidement juste la façon que vous êtes habillé. Ici, on est au moulin à Hawkesbury, c'est l'ancien moulin à bois. En 1822, c'était le plus grand moulin à bois au monde. Le monde arrivait, faisait la drave, il portait des chemises à carreaux. Mmh. Ça, c'est un petit peu comme l'étoffe de pays, à l'époque des patriotes des années 1830, tout ça, avec la ceinture fléchée. Oui. Puis évidemment, on a vu que des différents instruments. Si tu veux nous en parler rapidement, ce qu'on a vu tantôt sur scène. Ah, bien, on a des instruments, violon, guitare, et on a on appelle ça une mélodica. C'est un instrument qui remplace un peu l'accordéon. Parce que l'accordéon, c'est gros, c'est imposant, puis on charrie ça quand on n'a pas grand-place. Puis tu tenais puis Tommy, il battait des pieds. La podorythmie, c'est un art en soi, une tradition. Oui, parce qu'on n'entend pas ça souvent dans d'autres musiques, la podorythmie. Puis c'est vraiment ça, c'est notre culture à nous autres. Le violonneux avec la podorythmie, en tapant du pied, c'est vraiment notre culture, ça. Puis dans tes mains, tu jouais on appelle ça des os. Hein? Des os, oui. Les miens étaient en bois, mais habituellement, c'était des côtes de chevreuil, tu sais. Et le monde, c'est l'ancêtre un peu de la cuillère. T'sais, on joue de la cuillère, mais les os, c'est vraiment l'ancêtre des cuillères. Ça fait que j'ai appris à ça, à jouer, puis ça marche bien. Ça marche bien. Ouais, on aime ça du rythme. En tout cas, c'est clair, ça swing dans une veillée. Louis, chez vous, chez les Racines, il y a une autre tradition que vous passez de génération en génération. Vous êtes des gens de la terre, vous êtes des cultivateurs. Tu peux-tu m'en parler? Bien, on est cultivateurs, mais ça fait très longtemps. Puis je vais prendre le temps pour t'expliquer ça. Nous autres, on est cultivateurs depuis 1600. Fait que mon premier grand-père, il avait sa terre juste à côté de la ville de Québec. Les plaines d'Abraham, bien, c'était mon grand-père, ça. Abraham Martin, qui s'appelait. Et sa fille a été mariée avec mon Étienne Racine, le premier Racine de qui est venu en Nouvelle-France. Puis,
Lui, il a venu à bout d'avoir de gagner sa terre. Ils ont donné une terre, service rendu, à Sainte-Anne-de-Beaupré en 1648 à peu près. Et après de toutes les générations, à un moment donné, il y avait des grosses familles, il manquait de place. Et Jean-Baptiste Racine, en 1871, a décidé d'avenir en Ontario s'acheter une terre. Et il a fait des parcelles dessus, et nous autres, on appartient encore la même parcelle que Jean-Baptiste a achetée. Et moi, j'ai été à la cinquième génération, et j'ai venu à bout de mettre la sixième génération de mes enfants. Et on espère peut-être la septième un jour. Absolument. Parce que pour les gens qui sont ailleurs ou qui viennent d'ailleurs, vous avez une ferme laitière ici au Canada. Oui. Justement, évidemment, on va chercher de lait de vache, entre autres. On fait du fromage avec ça, on fait du beurre. Puis on a des traditions dans l'Est d'Ontario aussi, comme de coopération. On travaille ensemble. Peux-tu nous parler de ça? Bien, nous autres, on fait partie d'une coopérative qu'on s'est mis ensemble pour acheter nos produits pour avoir meilleur marché, pour s'assurer du prix. C'est en faisant une coopérative comme ça. Et on est aussi une coopérative pour le fromage, la fromagerie de Saint-Albert, que c'est une coopérative, que c'est des membres, des cultivateurs, qu'on est ensemble pour s'assurer qu'on a le vrai prix pour notre lait. C'est surtout ça. Les coopératives, ça garantit le futur. Puis je sais que dans l'Est ontarien, évidemment, qu'est-ce qu'on faisait? Parce que moi aussi, mes ancêtres étaient cultivateurs de génération en génération, jusqu'à mon arrière-grand-père. Puis je sais qu'on faisait des billes, hein, en dedans de quelques jours. Tout le monde, la famille, tout le monde du village, on se mettait ensemble pour monter une grange. Oui, faut dire qu'aujourd'hui, on a toutes des industries, mais anciennement, on se mettait ensemble puis on faisait tout ça, mais on fait encore des beaux parties de chansons à répondre ensemble puis on a du fun. Et en terminant l'émission, ben Louis, puis pourquoi pas, vous allez nous présenter une chanson assez spéciale pour clôturer tout ça. Oui, c'est une chanson, quand je suis parti du Canada, c'est une chanson qui a été des cultivateurs qui mouraient de faim sur leur terre, décidaient d'aller travailler aux États dans les manufactures. Puis en pensant qu'il était pour faire bien de l'argent, puis revenir, puis s'acheter une bonne terre. Mais en réalité, il y en a plus que le trois quarts du monde ont resté aux États. Ils n'ont pas pu s'en revenir au Canada s'acheter des terres. Mais quelques-uns, mais pas beaucoup. Et c'est une chanson qui représente ce temps-là. Bien, parfait. On écoute ça. Merci. Merci beaucoup. Quand je suis parti du Canada pour aller dans les États. Quand je suis parti du Canada pour aller dans les États. J'avais qu'une petite valise, pas beaucoup d'argent dedans. J'avais beaucoup de chemises, tout mon butin était dedans. J'avais beaucoup de chemises, tout mon butin était dedans. Sur mon chemin, j'ai rencontré un garçon que je connaissais bien. Sur mon chemin, j'ai rencontré un garçon que je connaissais bien. Il me dit, cher camarade, y allez-vous dans les États? Vous courez après de la misère, en tournez-vous-en, allez-y pas. Vous courez après de la misère, en tournez-vous-en, allez-y pas. Quand je tournerai au Canada, tous mes enfants m'appelleront papa. Quand je tournerai au Canada, mes enfants m'appelleront papa. Je m'achèterai une terre et je me mettrai habitant. Nous cultiverons la terre comme tous deux jeunes travaillants. Nous cultiverons la terre comme tous deux jeunes travaillants. Ah, mes enfants, pour être habitant, il faut être beaucoup travaillant. Ah, mes enfants, pour être habitant, il faut être beaucoup. Faut pas l'endormir, toi vous prenne quand vous serez sur le champ. Vous aurez de la misère, vous périrez en peu de temps. Vous aurez de la misère, vous périrez en peu de temps. Ah, qu'on est bien au Canada pour manger de la soupe au pois. Ah, qu'on est bien au Canada pour manger de la soupe au pois. On n'attend pas sonner les cloches de tout. Bon, de tous côtés, on n'attend pas sonner les cloches le matin pour vous appeler. On n'attend pas sonner les cloches le matin pour nous appeler.
Domino, domino tout le monde. Merci beaucoup. Merci à Louis Racine et au Pourquoi pas. Merci à nos invités et merci à vous à la maison d'avoir été là avec nous. À Hawkesbury et ailleurs en Ontario, on devient de plus en plus des communautés francophones accueillantes. Il ne faut pas l'oublier que c'est ensemble qu'on bâtit un pont vers demain. Ici.